parti, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Bullet Journal. Je vais vous présenter dans cette vidéo le mois d'avril. Je vous avais tourné précédemment le mois de mars et puis je suis revenue sur ma décision de vous le présenter puisque j'y avais déjà inscrit pas mal de choses personnelles. Donc on commence tout de suite par la vue d'ensemble du mois qui se présente comme ça dans un tableau. Pour ce mois d'avril, j'ai repris le thème d'Alice au pays des merveilles pour cette page double page. Les autocollants sont ceux que je vous ai présentés dans le hall action sur la planche d'autocollants, puisqu'en regardant de plus près, j'ai pu m'apercevoir qu'on y retrouvait certaines choses qui correspondent au thème d'Alice, donc le lapin, le chapeau, la tasse de thé, les clés et les souliers. Et en ce qui concerne les étoiles, ce sont des étoiles qui proviennent de la planche que je vous ai présentée dans le hall hyper plein ciel et sur lequel j'y ai inscrit les jours fériés marqués par cette petite étoile. On passe à la première semaine du mois d'avril. Donc vous voyez, c'est très très simple. J'ai repris le thème du printemps. Les bottes proviennent des die-cuts que je vous ai présentés dans le hall action. Et là, toujours la même planche d'auto. Ensuite, pour la deuxième semaine, je suis restée dans le même thème sur le printemps. Vous voyez, c'est très très simple. Je me suis toujours servi des die-cuts. Un simple collage et la mise en place, la mise en page, pardon, se fait assez rapidement. Pour la troisième semaine, c'est toujours pareil. À la fin, j'y mets toujours un to-do pour les choses à faire. Donc là, toujours des fleurs. Et c'est toujours les planches que je vous ai présentées dans les hauls précédents. Pour la dernière semaine, ben, toujours pareil, j'ai repris les autocollants. J'y ai inscrit une phrase que j'entends depuis mon enfance. Le fameux proverbe en avril ne te découvre pas d'un fil. Et puis on arrive sur la page idée. Donc toujours pareil, hein, les die-cuts proviennent de chez Action et l'autocollant provient de la planche de chez Hyper Plein Ciel. Donc ici j'y mettrai toutes mes idées. Je vais m'en servir uniquement pour les dépenses qui sont des dépenses plaisir, pas des factures. Ça me permettra de gérer les choses peut-être qui ne sont pas essentielles dans le mois et voir combien j'y attribue. Et on finit par la page mes petits moments mémorables, donc les choses qui m'ont fait sourire dans le mois. Et c'est toujours les autocollants que je vous avais présentés dans le précédent haul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez courte, mais en même temps, je ne vois pas ce que je peux vous raconter de plus. Et j'espère que la présentation également vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Je vous dis à bientôt les artistes!